On doit rester dans la chambre. Je ne devrais pas être là. Oui, eh bien, je te signale que moi non plus. Reste là. Oui. Je suis venue à Smallville enquêter sur la mort de ma cousine. Elle s'appelait Chloé Sullivan. Tu l'as connue? Non, bien sûr que non. Nicotine. J'ai arrêté de fumer. Il n'y a qu'avec ces trucs-là que je peux tenir. J'ai commencé à 15 ans. C'est la faute de mon père. Il a dit que s'il me voyait fumer, il me tuerait. Alors j'ai commencé en pleine crise d'adolescence et je n'ai rien pu faire. Aujourd'hui, je suis accro aux bonbons. Tu parles trop. Oui, c'est parce que les silences pesants me mettent mal à l'aise et que tu n'assumes pas ta part de la conversation. Trois quarts d'heure et pas de médecin à l'horizon. Si ça ne prouve pas le dénuement de la médecine de province, je ne vois pas ce qu'il ferait. Oh ! Où est-ce que tu vas ? Je m'en vais. Il va falloir que tu me passes sur le corps pour ça. Prenez pas mal, il ne se souvient même pas de son prénom, Lois Lane. Je l'ai trouvé gisant dans un champ vers la route 31. Merci d'avoir aidé mon fils. J'ai un faible pour les chiens errants et les garçons tout nus. Ah, désolée, ce n'est pas ce que je voulais dire. La journée a été longue et ma dose de nicotine me manque. Allez, viens mon chéri, on rentre à la maison. Il faut que j'attende le signe. Je crois qu'un médecin devrait l'examiner. La foudre a dû lui griller le cerveau. Lois, je vous remercie, mais c'est un problème familial. D'accord. Alors, je vais vous laisser. Je ne sais pas ce que tu as, mais tu dois revenir à la maison avec moi tout de suite. Je t'aiderai si tu veux trouver le signe. Mais on doit sortir d'ici maintenant, d'accord? Allez, viens. J'ai refilé Monsieur Amnésie à sa mère et je n'ai pas entendu son nom. C'est Martha Kent, elle est ici tout le temps. Kent? Comme dans Clark Kent? Attendez une minute, il faut que je... vous parle.